quand on arrive dans un projet comme celui-ci, au tout début, dans les premières images, on sent autre chose. Il y a quelque chose d'audacieux, il y a de l'audace, tout simplement. Dans ce projet, on a eu affaire à un nouveau challenge technique. Quindi è stato uno sforzo pazzesco riuscire a conciliare la sartorialità, l'artigianalità di queste qualità altissime di materiali e lavorazioni con una produzione che è una produzione industriale. La X70, c'est un projet qui était très ambitieux pour l'entreprise et du coup, on a voulu construire le plus gros bateau sur les herbiers possibles par rapport à la taille de l'usine. La taille du bateau fait que tout élément qui était à bord en fait était plus grand que ce qu'on avait déjà conçu. Les vitrages sont plus grands, la baie arrière est plus grande, les fenêtres électriques étaient plus grandes, tout était plus grand en fait dans le bateau. Et l'équipe dans tout ça, eh ben, du coup, elle a dû trouver des solutions techniques et se creuser la tête pour arriver à ce que tout s'emboîte comme il faut au niveau de l'assemblage. Dans le cadre du X70, on a eu affaire à un nouveau challenge technique. En particulier le fait qu'on n'ait plus de passe avant, on a un accès au bateau qui est très, très différent et on a retrouvé à travailler sur un espace très grand. Et autour de cela, il a fallu construire toute la partie de pont, architecture de pont, la partie supérieure qui est différente des autres Prestige. On est plus dans une notion de montage comme les Fly, on est dans une nouvelle géométrie, un nouveau design. Et là, on a eu à travailler sur cette partie technique et en particulier les superstructures du pont avec les vitrages, tout un ensemble technique important et très différent.